Actualité dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conny fait chita attendre hier avec éminente personnalité CARICOM qui a réalisé une visite dans le pays jusqu'à 16 août qui a venu là. Actualité politique là aux États-Unis, interview billionnaire Elon Musk avec ancien président Donald Trump et puis Iran rejeté appel Allemagne, la France avec la Grande-Bretagne pour le dire ouais par ouais la venger assassinat leader Hamas Ismaël Haniyeh. Et puis c'est point ça yo, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour vous dans un petit moment. Merci d'être choisi. Et l'autre fois encore, VOA Creole pour informer. Donc, actualité politique, électorale et même médiatique ici aux États-Unis, c'est interview ça entre billionnaire Elon Musk et ancien président démocrate Donald Trump. Donald Trump qui critiquait l'administration Biden-Harris là pendant interview ça. Sandra Lemaire. Interview candidat présidentiel républicain Donald Trump ak milliardaire Elon Musk sou réseau X tan men plus passé yon demi-heure en retard à cause problème technique lundi 13 août la. Musk blâmé une cyberattaque DDoS, Distributed Denial of Service, qui c'est le serveur a inondé à trafic qui l'a causé suspendre fonctionner. Cependant, accusation ça pas de cas vérifié. Causé amical à Trump là, t'es offri candidat un espace libre pour exprimer doléances qui gagnent habitude exprimer yo, ensemble avec attaque personnelle et puis faux déclarations. Trump t'es attaqué candidat démocrate Kamala Harris, qui t'es rebaille course électorale à j'arrête après président Joe Biden, t'es décidé by vague. Monsieur déclaré départ Biden, c'était un coup d'État. Trump insistait pour dire Biden pas de by vague, mais que démocratie t'es menacée. Musk, qui était appuyé président démocrate Joe Biden en 2020, a appuyé Trump depuis tentative assassinat. Trump chantait louange Musk, peut-être il était d'accord pour le révoquer employé Twitter qui t'a demandé depuis bonnes conditions de travail. Musk chantait louange Trump pour attitude vaillant l'y démontrer après tentative assassinat. Musk déclarait li kwè yon administration Kamala Harris tape une tête chargée pour pays a et que li essentiel pour bien-être pays a que Trump remporte élection a. Réseau X dit gen yon affaire de 1,3 million moun qui te coûté interview a. Musk quitte Trump dirige conversation a et li pat défier déclaration monsieur Feyo. Parmi yon mensonge comme quoi prix bacon augmenté 4 ou 5 fois plus passé l'autre pays et puis que pays étranger a voyé criminel sorti en prison aux États-Unis illégalement. Étude qui fait montrer immigrants parmi eux ça qui entré aux États-Unis illégalement pas commettre autant crime que américains natifs natal. Et puis tandis que Trump a critiqué machine électrique depuis longtemps, il était décrit machine électrique Tesla yo lundi comme incroyable. Trump est devant Biden dans un pile sondage dans état yo considéré tant qu'un champ de bataille qui pourrait jouer un rôle clé dans élection 5 novembre nan. Mais kounye a la traîné derrière Harris dans quelques dans même état sa yo. Musk lancé un groupe support financier Super PAC pour appuyer campagne Trump là. Kounia est à Michigan à mener enquête sous lui pour possible violation loi état à cause information l'étape ramassée sous électeur. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis, on dit tout que l'activité électorale a déroulé ici aux États-Unis, que c'est bon côté parti républicain, que c'est bon parti démocrate là, et gros rendez-vous, c'est Convention nationale parti démocrate là, qui a fait dans la ville Chicago, dans l'État Illinois, sorti 19 pour arriver 22 et VOA Creole à présent dans l'occasion. Actualité internationale là, Iran rejeté appel pays l'Occident pour suspendre acte menace représailles li contre Israël sous assassinat leader politique Hamas là Ismaël Haniyeh dans Téhéran dans fin mois. Gentil Augustin Junior gen détail. Pendant l'ap insisté sous solution diplomatique ak problème yo, Iran pap jam bay vague à cause pression, sanction ak intimidation yo. Et puis, li considéré, li gen droit pour répondre agresseur yo d'après standard international yo. C'est ça président iranien Massoud Pezeshkian di hier lundi d'après un communiqué agence nouvelle officielle Hirna publié après un appel téléphone ak chancelier allemand Olaf Scholz. Yon l'autre côté,
porte-parole l'armée Israël, amiral Daniel Hagari, déclaré: nous prenons très sérieux déclaration akre mak l'ennemi nou yo. C'est peut-être ça. Nous avons la dernière limite préparation pour attaque et défense. Et puis, nous prenons agir d'après instruction yo nan niveau politique là. L'ité continue pour dire: nous absuivons ça qui passe spécialement ak Iran, ak toute capacité nou yo. Nous pas suivre pour compte nous tout. Nous suivons ak États-Unis ak lot partenaires yo. Pendant ce temps, jodi mardi 13 août 2024 la, président russe Vladimir Poutine diskite sous situation Moyen-Orient ak président palestinien Mahmoud Abbas nan Novo Ogaryovo. Président Poutine dit: notre position здесь position nous pas changé. Nous prenons depuis longtemps et puis li pas dépend des circonstances extérieures. Nous croyons que pour assurer la paix durable, fiable et stable dans la région, il est nécessaire pour appliquer toute décision des Nations Unies et puis, surtout, créer un État palestinien sans préjugés. Alors que le président palestinien Mahmoud Abbas n'a pas le même avis. À cause d'activités États-Unis, position et pression liyo, Nations Unies échoué dans mission li pour prendre une décision pour accepter une résolution qui t'a garanti droit peuple palestinien sous propre territoire. Abbas trouvé dans Moscou pour une visite longue qu'a boudé même mercredi et puis il pral voyager dans pays Tiki pour une chita parler avec président Tayyip Erdogan. Cependant, force israélienne yo continue opération lyo tout près ville Khan Younis dans site Gaza. Hier lundi 12 d'août 2024 là, nan mitan effort international la a fait pour joindre un accord pour finir ak la guerre dans Gaza et puis empêcher conflit régional ak Iran et puis allié lyo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci, gentil. Guerre et la Russie Ukraine apprend l'autre dimension côté que Konya Ukraine a attaqué sérieusement. Eh ben, c'est comme ça que sénateur américain Lindsey Graham à Richard Blumenthal fait louange pour invasion Ukraine dans la région Kursk dans la Russie lundi, hier lundi, pendant une rencontre de tape fait avec président Zelensky. Et Marie-Louise Pierre, Genetaï. Sénateur a visité Zelensky dans Kiev comme un parti dans une délégation tous les deux partis congrès américain. Sénateur Lindsey Graham dit: and here we are, all these months, years nous ici là, tout mois ça y a plusieurs années plus tard, peuple a souffri. Yo flexible et puis ou dans la Russie. Jam et brillant. Bien fait. Moi bien content on pas de parler nous de ça. Moi bien content ou juste fait li. Et puis prend la guerre ça mené par le président de la Russie Vladimir Poutine et fait lui comprendre et payer un prix, c'est ça qui est bon pour fête. Sénateur Blumenthal bon côté parle dit: we are proposing legislation. Nous a proposé législation qui est le stand by Ukraine qui modifie sécurité bilatérale là, assurer que dans la loi pas seulement président, il est évident nous voulons aller plus loin passer président ça. On va mener lutte nous pour indépendance là. Liberté peuple à travers le monde là, parmi les États-Unis, mais nous voulons peuple américain apprécier valeur alliance ça encore. Dans lundi, Pigo, commandant militaire ukrainien, te dit soldat Lio, contrôlé qu'on est là 1000 km2, région Kursk, dans le voisinage de la Russie. Président ukrainien Vladimir Zelensky, dans lundi, te défend l'invasion choc pays Lia, dans la région nord-est Kursk, la Russie. Président Poutine te décrit l'invasion ukrainienne comme une provocation et puis il te bat l'ordre militaire pour chasser les forces ukrainiennes sorti dans la Russie. Poutine te dit que l'invasion, c'est une tentative pour détourner attention sous offensive Moscou dans la région Donbass, dans l'Est Ukraine, et puis éventuellement joindre une plus bonne position en négociation pour mettre fin dans la guerre 2 ans et demi à Nessa. Invasion ukrainienne marquée plus gros attaque sous terre la Russie depuis Deuxième Guerre mondiale. Marie-Luce Pierre, VOA Creole. Par exemple, dans les Nations Unies, lui-même a levé la voix contre ça, il dit qu'il a passé dans le pays Venezuela, surtout après l'élection contestée dans le pays. Il y a une élection qui était bâillée, Nicolas Maduro, vainqueur dans l'élection. Nous parlons de ça, Bibri.
Au commissaire Nations Unies pour droit monde, Volker Turk, exprimé jeudi mardi à qu'est-ce hôtel devant climat La Pérez qui a pris dans le pays Venezuela à gros quantité de détention arbitraire et utilisation de la force d'une façon qui n'est pas appropriée. Ravina Shamdasani, c'est porte-parole organisation mondiale. Position à venir dans un moment côté député vénézuélien doit examiner un paquet de lois, lois qui violent liberté monde d'après opposition qui continue à réclamer victoire dans l'élection présidentielle 28 juillet. Conseil électoral national là, CNEA a ratifié victoire monsieur Nicolas Maduro avec 52% voix sans yo parent public détail bulletin ak procès verbal yo. Et opposition politique là bon côté pal dit c'est lui qui remporté élection yo avec 67% voix yo. Annonce réélection président Nicolas Maduro a provoqué un pile manifestation rapide dans pays a. Bilan au moins 25 moun mouri, 192 blessés et gain 2400 arrestations d'après une source officielle. Donde está el señor président Nicolas Maduro bon côté pal mandé pour l'état utiliser yon main de fer après manifestation brutale et mortelle qui fait après résultat élection. Chef opposition, bon côté pal, Maria Corina Machado, qui vive dans le cachet depuis plus passé yon dizaine de jours, lance yon gros manifestation au niveau mondial pour 17 août Cap Vinla pour réclamer victoire opposition à Edmundo González Urrutia. Lidi Joussa, yap descend dans la rue Venezuela et dans la rue le monde entier pour crier victoire et mander le monde pour reconnaître victoire avec souveraineté peuple vénézuélien. Pendant ce temps, il y a l'autre développement, il y a au moins 8 personnes qui ont perdu la vie dans Pigo Bidonville, pays Venezuela, qui trouvait dans Caracas à cause d'explosion qui arrivait dans un caille dans Bidonville. Voilà, donc, dans le pays Venezuela, la situation a toujours été compliquée. Il y a un cours suprême qui a parlé lui-même pour prendre une décision par rapport à conflit qui a dans le résultat qui bah, Nicolas Maduro est vainqueur. Et le tribunal a dit, tout le pays de cours suprême, il dit que après décision ça, il n'y a pas de l'autre décision. Qu'après. Et il a rappelé que l'opposition lui-même n'a pas répondu avec convocation parce que, eh bien, d'après le candidat, il dit que il peut pour liberté, donc en situation que n'a pas suivi pour le pays Venezuela. Ou sous VOA Créole, ou a suivi un programme en langue créole haïtien. Et oui, ou sous VOA Créole, ou a suivi un programme en langue créole haïtien. Merci d'être que vous branchez que sur quelques plateformes qu'on capable et sur Facebook, sur Instagram et n'a bon nouvelle là, n'a bon actualité. Et puis nous prenons dans New York avec collaborateur nous Valerio Saint-Louis qui lui-même était dans New York dans le moment que gagnait un conflit, gain débat, gain protestation concernant éventualité pour Michel Martelly, alias Suite Miki, a participé dans le carnaval Lebodea. On a rejoint Valérie Saint-Louis. D'été dans New York que yo organisé événement qu'il tirait ça qui c'est West Indian Day Parade ou bien carnaval caribéen qui c'est plus gros rassemblement qu'il tirait moun qui sorti dans pays caraïbe là et qui vivent dans la cour New York. Événement ça a attiré à peu près 2 millions moun pour participer haïtien dans carnaval là. Communauté a divisé sous participation Jazz Suite Mikia dans défilé a. Dès dans là nous que vent bureau comité qui responsable pour organiser carnaval là, quelques membres organisation comme Okoda vinre les Charles Barry puis dit que pas d'accord participer Suite Miki dans le carnaval là à naissance encore. Présence matérielle dans la communauté a son bail cap désorganiser nous, démobiliser nous. Monsieur Sommou qui très controversé, son assassin lié. Jusqu'à présent, un génocide dans le pays d'Haïti. C'est monsieur responsable. Mon a mouri chaque jour. Je ne vais pas faire Matéli dans le carnaval là. Là, il finit. Matéli me kidnappé, il kidnappé, il a kidnappé moun, comme petit moun, comme grand moun. Il crase le pays. Je ne vais pas soutenir Matéli. C'est Matéli me amé tout si jeune dans le pays, il y a un job qui est le gang. So m'pap jam ka pou Matéli. Mais moi-même, je ne vais pas dans le pays, je suis un monde qui exile et qui pas de papier. M'en vie aller m'a calé. So m'pa content ça passé là Matéli pa gen droit vinn sou pa koya. Nou te fermé déjà, n'a toujours fermé. Mais qui soit qu'a dit fanatique Suite Miki yo même qui t'a remé ou Diaz yo vinn nan pa koya vinn nan carnaval là. Bon, moi-même c'est Ronald De Rosier, je pense que Matéli c'est un élément conflictuel pour élément que Michel Matéli hier pour lui annoncer la vinn sou pa koya, vinn camper pour nous dire non Michel Matéli ou pa ka vinn là, nous pas ou pa ka vinn nan communauté a pour venir vinn bolo là, pas de place ou là, s'il vous plaît.
non seulement dans le carnaval là, nous pas d'accord que Matéli joue balle aucun côté. Faut que nous dit en 2019 et nous t'ai manifesté devant comité carnaval dans New York là et yo t'ai fait nous promesse que non seulement Matéli pas t'a sous pas quoi en 2019 mais Matéli pas t'a jamais sous pas quoi encore qui donc nous vini là jodia pour nous te joindre clarification pour nous te remettre une lettre. Faut que moi di ou gen bruit k'ap couri que gen membre dans comité carnaval là k'ap prend l'argent en bas table dans même Matéli. Hier nous parler avec yo dans téléphone, yo te di nous y a ouvert depuis 10h du matin jodi a. Et voilà nous là jodi a, yo marron, yo fait lâche, bureau yo fermé. Qui donc nous voulons connaître Naptoune. Nous avons essayé de rentrer en contact avec membre du comité carnaval là, qui est responsable organisé carnaval caribéen. Ils n'ont pas répondu dans le téléphone. Et puis, sécurité de la building a dit qu'ils fait nous connaître que jodi a, ils fait même. Nous avons précisé tout que selon l'information que nous jouons jusqu'à présent, c'est groupe Tiancito, Walk Farm, Barricade Crew avec Cool Mix Madada qui ont même officiellement autorisé participer dans le carnaval là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Merci Valerio. Donc Valerio a suivi pour nous de très près dossier ça qui eh bien, qui provoquait un pile débat et un pile côté que Michel Martelly a leur suite mais qui a joué et eh mais toujours gain débat, il était joué dans Boston, il gain débat, il saute jouer là en Floride même bagarre. Donc n'a suivi pour n'a pas entré dans Port-au-Prince et eh ben côté que Premier ministre Gary Conille lui-même était fait chit entendre hier avec éminente personnalité CARICOM yo et eh ben yo même qu'a réalisé une visite dans pays d'Haïti jusqu'à 16 août, Cap Vinela, Yves Manuel gen détail. Premier ministre Gary Conille chita parlé avec éminente personnalité CARICOM yo ayer lundi an dans résidence officielle li nan Musso nan objectif pour capable mettre accent sur processus transition. Chita parlé ça inscrit dans cadre nouveau mandat éminente personnalité yo qui visait veiller avec conseil présidentiel transition an, à application accord 3 avril 2024 là divers partis tessien. Démarche là prévoit tout assurer suivi processus électoral là qui t'a dû aboutir à organisation élection dans l'année 2025 dans pays d'Haïti. Pendant discussion yo, transition politique qui en courant est abordée dans l'idée pour joindre une vision globale situation crise sociopolitique actuelle là pendant yo fait de nouvelles propositions qui capable aboutir à certains résultats concrets dans finissement échange yo. Proposition pour observer prochaine élection yo t'es bien accueilli bon côté premier ministre Gary Conille et deux partis yo promettent pour travailler main à main pour conduire pays vers fin crise là et organisation prochaine élection yo. Pendant mois juillet 2024 là n'a rappelé conseil présidentiel transition t'es lancé processus qui doit conduire à désignation délégué des différents secteurs dans conseil électoral provisoire. À travers accord politique pour une transition pacifique ordonnée, organisation politique yo signé 3 avril 2024 là dans l'idée pour joindre une solution à crise politique là. CPTA te bay tête l'émission pour mettre en place un nouveau conseil électoral provisoire dans l'idée pour organiser élection générale pour bay pays élu qui légitime cap entrer en fonction 7 février 2026. Élection sa yo qui te doué organiser en de pays pour renouveler personnel politique pas arrivé organiser en de pays depuis l'année 2016 pays qui plongé dans une crise sans pareil en bas puissance gang améo qui occupait 80% dans zone métropolitaine capitale Port-au-Prince là besoin bon gens action dans l'idée pour capable retirer tout bon vrai dans situation malouk ça li trouvel depuis quelque temps. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Pendant ce temps, il y a un conseil et présidentiel transition qui lui-même va être jusqu'à 31 août 2024 là, pour le mettre campé conseil électoral provisoire. En suivant un reportage, Renan Toussaint, depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. Malgré difficultés qui enregistrées par rapport à différents secteurs qui, pour qu'on mette d'accord sous désignation représentants respectifs, dans le conseil électoral provisoire, il y a un membre conseil présidentiel transition, Frinel Joseph, responsable chantier causé élection, il fait qu'on est, reste mois août 2024, ça, décisif pour formation institution électorale, là, qui a gagné
pour mission organiser référendum non relatif à révision constitution 29 mars 1987 là qui doit mener Haïti dans élection générale pour renouveler personnel politique là et remettre en place institution démocratique. Maître Jonas Revenge, qui est président parti politique démocrate visionnaire pour Nouvelle Haïti DVNH, salue démarche ça, mais lui souhaitait autorité yo modifier loi qui régit fonctionnement parti politique yo avant prochaine élection yo. On n'est pas capable aujourd'hui à prendre mettre confusion encore mettre diviser population dans une élection avec une multiplicité de partis politiques pendant que bagala doit régler à partir de tendance et c'est le bon moment côté que nous n'en kawa pour que nous pensions remarier loi sur les partis politiques que qui pas de résoudre problème non question tendance là n'est pas résoudre donc c'est bon moment pour dans moment nous est là nous font passer main dans loi sur parti politique là ça va permettre que nous venons organiser élection nous faciliter choix population. Cependant gain l'autre groupe politique parmi eux parti politique solution que Fito Lafleur a dirigé qui dit élection pas possible en Haïti tout autant problème insécurité à pas résoudre. Première chose à faire, c'est garder comment pour le peuple sécurité. Et deuxième chose à faire, c'est garder comment pour le peuple on mieux être pour manger un bagage parce que les gens qui ont mouru grand goût dans le pays. Et troisième chose à faire, c'est à préparer une élection qui selon déshydrate le peuple. C'est pas ça international la vle, c'est pas ça ou gagne comme agenda pour faire un bagage peuple les sont capables de mourir. En tout cas, accord 3 avril 2024 l'an prévoit yon président kap sorti dans élection yo dwe pran maet la nan main conseiller présidentiel yo. N'ap suiv Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et quand dit sous question élection gen plusieurs personnalités qui gen réaction dépamment sous démarche qu'a fait pour qui pour aboutir à organisation élection nan pays a nou gen sous place nan Port-au-Prince correspondant nous Massado Velme. Machu a fait pour mettre campé conseil électoral provisoire yon défenseur droit moun nan pays a mettre des tournelles bénissois qui c'est tout président agi pour Haïti dit élection pas possible pour date yo prévoir défenseur droit moun nan a expliqué raison ou soulever conférence nationale. Nous sommes en prend calendrier là actuellement là nous en août. OK, nous en août 2024 parce à élection gain pour fête en 2025 pour qu'on qui va être en place. Conférence nationale là beaucoup elle. Beaucoup elle les préparatifs pour faire une conférence nationale. Déjà CPA a décrié. Il a décrié parce que il y a je répète entre différents organismes, notamment des droits humains, je répète au niveau de politique et je répète au niveau de personnalités qui sont indexées dans le domaine de corruption que ces autorités sao yo pral gen pour faire élection, gen moun qui dit que autorité sao qui indexé dans élection dans corruption et pas faire élection. Déjà l'élection a beaucoup même fait, il est déjà contesté. Ancien sénateur Patrice Dumont, bon côté parle quoi, élection doit organiser dans le pays pour renouveler personnel politique là, à remettre campé institution démocratique. Mais il dit, doit gagner une enquête approfondie qui fait sous question qui a rapport à quatre démologues. Question quatre démologues là, il a gagné deux problèmes majeurs là-dedans. Premièrement, travail qui a gagné pour être fait là, avec premier quatre là, c'était un travail pour qui t'a coûté à peu près 3 millions de dollars, 2 millions, 3 millions de dollars. Contrat de malogue là vient coûter 24 millions de dollars. Et pas qu'il y a aucun monde, si on dit que bon travail, 3 millions capable de faire, et puis même travail là, il faut dépenser 24 millions, son problème sérieux. Ça, c'était le premier problème. Deuxième problème là, c'était que Madame Moïse, donc l'épouse du chef de l'État, t'es impliqué directement avec un paquet de mensonges que directeur à l'époque de Onia Tebaï, l'été avec madame non, non pas avec lui, etc. Madame au président, c'est pas yon employé de l'État. Madame yon président, c'est madame président. Donc, pas gagner aucune partie dans la constitution pays,
dans la loi paysan côté madame président à titre de madame président gain droit entrer dans négociation l'argent l'état dans contrat l'état a signé donc li pat un petit bagaille petit lorsque madame nan li même l'a discuté de contrat avec affaire dermatologue. Cependant, en pile zone dans la région métropolitaine qui s'est bastion élection dans pays en bas contrôle groupe civil armé. Parmi zone Silayon, nous capable citer commune Cité Soleil qui presque pas existé encore par rapport à bandi dans plus gros bidonville pays qui passe se troquer connu depuis plusieurs années. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour Véroa Créole. Et puis, quand nous prenons dans le département sud, plus précisément dans la ville Okaï, côté que l'insécurité a lui-même la paix fait rage, et même gens avec plusieurs côtés dans le pays, nous rejoignons Jean-Ernst Eliscar. Commençant dans la ville Okaï, il y a une difficulté pour fonctionner à cause du phénomène d'insécurité qui a augmenté chaque jour dans la troisième ville du pays. Commençant, c'est un secteur qui va suspendre victime en bas à tout fait. Laissez pas dans la rue. C'est dans le magasin, les bandits ont braqué, tiré et pris tout l'argent qu'ils ont. Commerçant François, Jean-Luc et tout travail, Paul, c'est dans deux victimes qui ont reçu la balle en bas de main, nèg et zam qui étaient sous motocyclette. Bandits ont rentré dans le business commerçant, tiré et pour aller tout l'argent qu'ils ont joué sur le passage. Yon zak ki révolté commerçant Bertrand Banat qui mande autorité yo pour prendre responsabilité yo. M'a dit à tout commerçant yo. Nous connaît te gagné plus que 4000 prisonniers qui te pas quitté pénitencier national. Te gon bon parti pour département sud là. Yo retourné. Mettez la main forte avec autorité, bas aux pressions essentielles là, pour que vous mettez mon zon bacode, parce que le pape vient chita là, non? Et d'ailleurs, c'est l'équipe qui a bien fait là, pour qu'on vienne finir avec nous. Nous avons l'état qui a fini avec nous, nous pas qu'à continuer dans le commerce là, et pour quoi bon, pour nous quitter monsieur Sayo, pour un pied, et puis c'est l'amour après pour nous-mêmes. Commerçant Bertrand Banat, pas mettre de l'eau dans la bouche pour critiquer quelqu'un dans la population qui pas fait solidarité avec les victimes. Je demande le seul moyen pour nous surmonter la difficulté, ça, c'est la solidarité ça pour nous retourner bien encore. Parce que matin, il y a plus de 50 personnes campées à garder l'action qui a passé. Et il y aurait été simplement à déplorer ça. Ce n'est pas eux-mêmes. M'a dit chaque lois ouais c'est pas au même des maisons Dieu veut la venir sous. Dis le temps pour nous solidariser pour que ça que ça yo pas continuer répéter dans le local. Toujours dans sac concerné, affaires insécurité, bandi yo qui bloqué zone sud entrée capitale haïtienne nan, la cause yon a été produit première nécessité sous marché à dernier jour ça yo. Une situation qui baille gros qu'est cassé ak citoyen yo k'ap mande autorité yo pour qui nan pouvoir central là pour débloquer entre sud capitale là une façon pour machine capable circuler libé Jean-Ernst Eliscar VOA Créole Okaï. Merci Jean-Ernst Eliscar. Mes amis, demain, a un gros match à Atalanta Bergame avec Real Madrid et Kylian Mbappé a joué premier match li pour Real Madrid. C'est un match que nous n'avons pas raté. Moi, c'est Jacqueline Belizam, salué Djoubé avec Chang Wang, sans oublier Jean-Marc Hervé Abela qui était chef pupitre là. Donc, nous demain. Bonsoir.